Oh, mais c'est dingue, on entend ça partout maintenant, hein. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Elle a pas fini sa phrase. Je ne connais pas cette expression. Serait-ce François 1er ou Louis XVI? Ils traînent dans les couloirs encore, hein. 5 heures de colle devraient les calmer. Je vais les chercher. Mais Jason, ouais, je remonte mon téléphone. Prends-lui son téléphone, Jason. Mais je m'appelle pas Jason, ouais. Bah, elle t'appelle Jason. Non, mais monsieur, vous avez pas la ref. Mais qu'est-ce que vous faites dans le couloir si Madame Morningstar vous voit? Alors, Merguez, tu me ramènes les carnets? Tu veux que... C'est pas du français, tu veux que, hein, il manque un COD quand même. Non, je l'ai pas mon code, madame. Mais c'est qui Jason alors? Vous avez pas la ref? J'ai pas la ref, tu vas voir si j'ai pas la ref. Je cherchais Jason sur internet. C'est le Jason des 3F qui fait le bazar en classe? Non, je pense que ça vient de l'histoire. Attends, on va voir. Et Jason, ouais, je remonte mon téléphone. Rien compris. C'est pas Louis XVI, du coup. Aujourd'hui, nous accueillons une stagiaire qui souhaite être professeure comme moi. Bonjour. T'as vu ces chaussures? Des garçons. Donc, bah, bonjour à tous. Soyez naturels. Travaillez comme d'habitude et voilà. Je t'en prie, assieds-toi. Regarde les pros faire. Ici? Non, Magali. Ici, plutôt, hein. Bon, reprenons Baudelaire. Magali? Magali, qu'est-ce que tu fais? Vous l'appelez pas par son prénom, quand même! Magali! Oui, je vous écoute. C'est pas votre copine, Magali, hein? Magali. Non, non, c'est pas grave, Christine. Christine! Évaluation coefficient 6. Si vous la loupez, vous redoublez. Prenez bien soin de la feuille, parce qu'elle vaut votre année. Je pars pas mon temps sur des plans qui rapportent nada. Pardon? Ces plans vont t'apporter un métier, jeune homme. Tu balances l'évaluation coefficient 6 comme ça, toi. J'ai dit un vrai, des gols d'écart, tu fais nada. Tiekar, un concurrent de Weebus peut-être. Ça vient d'où? J'aime bien ta Canada. Le Canada, il est là. Je suis levé à 11h, je visite Fernando. Hein? J'entends Fernando 11h, c'est quoi Fernando 11h? Bah réponds-moi, en articulant surtout, parce que c'est très difficile de te comprendre. C'est qui Fernando? Vous avez pas la ref? Dis-moi qui est Fernando et dans quelle classe il est, je vais lui prendre son carnet. Qui est Fernando? C'est Fernando des 4E. Oui? Je voudrais Fernando, s'il te plaît. Quoi? Alors comme ça, on sèche les cours et on se lève à 11h. Tant que vous écrivez sur votre feuille... Le 19e siècle est le siècle... Bah qu'est-ce qui vous arrive encore? Vous êtes pas bien, hein? Si vous vous reprenez pas, je prends tous les carnets, vous êtes collés à l'année. Ah, vous avez bougé. Tu veux aller à l'infirmerie, t'as tes règles? Mais c'est pas drôle, hein? Ah bah ça a l'air d'aller mieux, toi. 75 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. Vous avez quel âge? Un âge très avancé. Je vous l'avais dit que c'était le bon milieu. Hé, hey, madame! Oui? Vous avez un autre nul pour tout le français? Plaît-il? Oui, c'est quoi cette réponse? Elle parle français bizarre! Elle peut pas dire quoi comme tout le monde? Pff, elle va pas dire quoi, tu vas voir. Vous avez un autre nul pour le cours de français? Mmh. Putain, elle va dire quoi ou quoi? Quoi couper? Mais c'est pas à moi qu'il faut le faire, du coup! Ah bah tu dis quoi? Vous avez un autre pour le cours de français? Quoi? Quoi couper? Quoi couper? Quoi couper? Quoi couper? Arrêtez ça tout de suite, je vous préviens, je veux plus entendre ça! Mais madame, qu'est-ce que tu veux du travail? Hein? Ah bah, on fascine avec elle! Bah vous, quoi que vous fassiez, vous êtes bien dans la panaille! Oh! Jeu de mots, jeu de vilain! Quoi? Feur! Quoi couper? Ah bah, feur! Quoi couper? Ils sont chauds! Feur! Quoi couper? Feur! Quoi couper? Baston! 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 Qu'est-ce que quoi couper, c'est feur? Non, c'est quoi couper? Bah, il vous arrive quoi là? Quoi couper? Feur! Quoi couper? Feur! Quoi couper, je te dis! Feur, je te dis! Oh! C'est dit? Bon, on reprend! Faut pas s'énerver comme ça, les gars! Ok! Il y en a marre des collégiens, ils me font chier avec leur toutou bé, je vais démissionner, moi je vous le dis. Bah c'est dommage, si près de la retraite. Il y en a pas de retraite. Toutou bé, tu dis? Je sais pas d'où ils sortent leurs mots bizarres là, à tout bé, à tout bout de champ, mais on peut pas faire classe avec leurs conneries. Tout bé? Oui, là, à toutou bé. Quoi coubé? Ah oui, c'est ça. Ah oui, je les ai entendus, mais je sais pas ce que ça veut dire. Bah on sait même plus quelle langue ils parlent maintenant, le nuage nucléaire a fait de gros dégâts. Mais non, en fait, ils font semblant de te poser une question. Bah moi, ils m'en posent jamais, donc Normal, t'es en emploi fictif. Ils te posent une question incompréhensible pour que tu dises quoi? Quoi? Quoi couper? Et donc après, ils te disent quoi couper. Pourquoi Victor Hugo n'est pas influenceur? Il aurait remonté le niveau en français. Bah c'est qu'il est plus là, quoi. Je suis sûre qu'ils ont mangé de la neige pour faire ces conneries. C'est toi qui parles? Oui? Excusez-moi, est-ce que Madame Julien est là? Elle est dans la salle au niveau de l'étage, on est prêt. Quoi? Quoi couper? Quoi couper? Quoi couper? Quoi couper? Ouais, ils sont tarés. Comment on peut se concentrer toutes ces trains là?
Eh, hey, vas-y, eh, hey, madame, je peux sortir prendre l'air, là, j'ai une musique dans la tête. Non. Faut que j'arrête TikTok, moi. Ce soir en ville, y'a de la chatte. La banne à bête, prends son Snapchat. Mon hein? Bagou, perds ta chatte. Ah, vous voulez lire la chatte de Colette? Fallait me le dire plus tôt. Hein? Hein? Francis, tu distribues les bouquins. Oh, non. Il parlait non. à la chatte, qui l'œil vide et doré, atteint par l'odeur démesurée des héliotropes. Bon, bah, je l'ai plus dans la tête. On communique. Qu'est-ce que y a trop de trend. C'est quoi ce bruit? Ah, Gigi? 5 heures de colle devraient les calmer. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Carnet. On faisait les trains TikTok. Dans les couloirs. Bah ouais. Je savais que Toto était une mauvaise influence. Bah attends, t'as pas tout. Bon, il arrive ton ami là? Oui, oui, normalement il sort des cours là. S'il est pas là dans 2 minutes, moi je pars. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il est là. Bonjour. Bonjour. Fais pas le scud devant ma mère, elle va me saouler après. Je peux pas me contrôler, il me hante mes jambes. Bon, en voiture. Hey, je te jure, t'as intérêt à bien me tenir là, sinon ça va me retomber dessus. Mais c'est pas de ma faute, je te dis, le son est H24 dans ma tête. Sérieux? C'est à cause des autres aussi. Tout à l'heure, dans les vestiaires, ils ont fait un TikTok. J'étais dedans. Du coup, je te ramène où? Ce que. Quoi? Putain. Je peux pas me contrôler, je te dis, regarde. Ce que. Ah! Mais sérieux, là. Ce que partout, maintenant. Ah, ce que, je connais pas cette ville. Non, j'habite. Tu veux que je te tienne les jambes pour les empêcher de bouger? Il va bien, ton ami? Ouais. Alors, je t'immobilise. Anna, tu fais quoi? Rien, je l'aide. Je suis immobilisée. Non, mais tu fais quoi? Ses jambes bougent. Eh ben, il arrête de bouger ses jambes. Mais il peut pas. Parle maintenant, je vais pas tenir 2 heures. J'habite au 7 square du Petit Pain. Ah bah voilà, c'était pas compliqué. On a réussi, et je crois que tu l'as plus en plus. Il est parti, je crois, grâce à toi. Tu m'as guéri. Allez, un peu de musique. Eh hey madame, on a une idée de chanson pour ce trimestre. Ah oui, ça vous tente pas, Belle Île en Mer? Non. Il y a mieux. On préfère les musiques actuelles. Ouais. Nous, on a mieux. Laurent Voulzy, c'est actuel, mais bon, je vais sur YouTube, c'est ça? Oui, oui, vous tapez Nounou la Grinta. Quel drôle de nom. Putain, les mecs. Et donc c'est quel titre? Deli. J'aime pas trop le nom de la chanson là. Allez madame, vous allez kiffer, c'est actuel. Oh. T'es pas sûr que je la sélectionne hein? Oui, ouais, oui, juste écoutez. Ok. Tous les jours dehors comme un petit malien. Je vais les choquer, ils m'ont mis au défi. Ça les choque, nous on délire. T'en parles sans ton commet des délits. Je vais les choquer, ils m'ont mis au défi. Ça les choque, nous on délire. T'en parles sans ton commet des délits. La quoi? Allez-y madame. Allez. La quoi? C'est ce genre de musique que vous apprenez à vos élèves? Non, je... Oui, madame, elle nous l'a mis direct. Oh.